Chers frères et sœurs, c'est en écho à ce verset biblique de l'Évangile selon Matthieu qui a été relu il y a un instant que j'ai pensé à un autre texte dans l'Évangile selon Matthieu. En écho avec ce verset qui nous indique que pour prier, il faut se retirer dans sa chambre, j'ai retenu ces deux versets que l'on trouve un peu plus loin au chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu. Deux versets bien connus, deux versets souvent utilisés dans la vie de l'Église, deux versets dans lesquels Jésus s'exprime en ce terme. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre cette fois votre recueil de chants, louanges et prières, le recueil bleu. Et nous chanterons le cantique 202 pour prolonger l'action de grâce au moment des baptêmes. Cantique 202, les strophes 1, 2 et 3, nous nous levons pour chanter. Éternel notre Dieu, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton Évangile, sous une autre lumière,
que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel, comme de vrais enfants d'Abraham. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chers frères et sœurs, ce verset biblique bien connu est souvent utilisé comme une sorte de baume, une sorte de consolation quand nous ne voulons pas désespérer du petit nombre de fidèles dans une église. Par exemple, si nous prenons les textes liturgiques de l'Église réformée de France, la seule fois où cette formule est utilisée, c'est dans le livret destiné au culte pour petite assemblée. Ce verset est donc souvent utilisé pour agir, pour nous consoler en période de disette, lorsque la communauté est clairsemée, en nous faisant réaliser que même si nous ne sommes pas nombreux, ce n'est pas si grave que cela, Dieu est quand même présent. Mais, drôle d'affaire tout de même, Dieu ne serait-il pas présent lorsque nous sommes seuls? Et n'est-ce pas d'ailleurs le sens de ce verset qui a été lu un peu plus tôt dans l'Évangile selon Matthieu? Jésus lui-même dit que lorsque nous voulons prier, il faut entrer dans la chambre la plus retirée qui soit, s'isoler en quelque sorte. Et puis, deux ou trois étant réunis au nom du Christ, Dieu serait présent au milieu d'eux. Est-ce que cela signifie que la promesse faite autrefois à Jacob ne tiendrait plus? Partout où tu iras, je serai avec toi. Et le fait est que même lorsque nous sommes seuls, la Bible dit que Dieu est présent à nos côtés, comme il l'a été pour Moïse, comme il l'a été pour Élie. L'expérience montre que nous pouvons tout à fait éprouver Dieu dans l'isolement, qu'il soit désiré ou qu'il soit subi. Et pourtant, il y a ce verset qui nous fait passer à une sorte de vitesse supérieure. Non plus un, mais deux ou trois, pour que le Christ soit présent. C'est-à-dire pour que l'Éternel, reconnu dans sa capacité d'agir dans l'histoire humaine, soit bel et bien présent. Eh bien, il me semble que nous pouvons comprendre ce changement si nous cessons de prendre ce verset pour un baume, justement, pour un réconfort en période de peau de chagrin ecclésial, et que nous le comprenons plutôt comme une exigence, comme un minimum théologique. Non plus cette phrase comme
Oh, même si nous ne sommes que deux ou trois, le Christ est quand même présent parmi nous. Réjouissons-nous, mes frères. Mais la comprendre comme Dieu peut vraiment donner toute sa mesure lorsque deux ou trois sont réunis en son nom. Ce verset ne serait pas qu'un pis-aller. Oui, même si nous ne sommes qu'une poignée, Dieu est quand même là. Mais l'exigence de la pluralité. Ne soyons pas seuls si nous voulons que Dieu agisse pleinement dans notre vie. Et cette exigence de la pluralité, il me semble que ce texte la déploie de trois manières différentes. Que ce texte déploie trois aspects de ce qu'est la pluralité à laquelle nous sommes appelés. Trois aspects qui sont les trois étapes de l'accomplissement de la prière. La pluralité nécessaire pour la demande. La pluralité nécessaire pour obtenir des réponses à nos demandes. Et la pluralité est nécessaire pour mettre en œuvre ces réponses. Oui, la pluralité est nécessaire pour bien appréhender le réel, pour savoir ce dont nous avons vraiment besoin, pour bien définir notre demande. Lorsque deux personnes s'entendent au sujet de toute chose, cela leur sera accordé, dit l'évangéliste Matthieu. Dans le texte grec, la chose est désignée par le terme « pragma », qui en français donne le pragmatisme, ceux qui s'intéressent à l'aspect pratique des choses, ceux qui s'intéressent à savoir ce qui se réalise. Eh bien, la première chose est donc de définir ce pragma. Il faut s'entendre à quelques-uns pour définir ce pragma, cette chose. Cette chose qui n'est pas un concept flou, qui n'est pas simplement une belle idée. Vous savez, ce genre de rêve qui, dans les films, est toujours représenté de manière un peu floue. On voit que la chose ne se réalise pas vraiment. C'est un rêve. Et la concrétisation, elle, n'est pas encore à l'heure. Cette chose qui relève du pragmatisme, c'est bien au contraire quelque chose de très factuel, de bien réel. C'est quelque chose qui est tout sauf déconnecté de notre vie quotidienne. Le pragmatisme, c'est intervenir sur l'histoire véritable, sur l'histoire vraie. Aujourd'hui, on parle souvent de la vraie vie, comme s'il y avait une vie fausse. C'est souvent le moment où l'on veut parler de cette vie qui n'est pas isolée dans une bulle peut-être un peu dorée, une bulle retirée de ce que la plupart de nos contemporains vivent, la vraie vie, vous savez, avec les vrais gens. Eh bien, c'est de cela dont il est question dans l'Évangile. Eh bien, ce réel, pour le comprendre vraiment, il faut l'approcher par plusieurs voies, au moins à deux ou trois. Ce réel, on ne le comprend bien, on ne le connaît bien qu'en le regardant sous tous ses angles. Finalement, il est dangereux souvent de se contenter d'un seul point de vue. Vous savez, c'est comme ces enfants qui essaient de décrire un éléphant. Alors quelqu'un est près d'une patte et puis il dit « un éléphant, c'est un gros arbre ». Il y a quelqu'un qui est à côté de la trompe et il dit « un éléphant, c'est une liane ». Il y a quelqu'un qui est à côté de l'oreille, il dit « l'éléphant, c'est une grande salade ». Au fond, si on ne rassemble pas tous ces points de vue, on ne sait pas de quoi les enfants parlent. C'est la raison pour laquelle il nous faut souvent toujours croiser les regards, croiser les témoignages, croiser les définitions, ne pas s'en tenir à un seul point de vue. Les policiers interrogent plusieurs témoins pour essayer de reconstituer les faits. Nous lisons plusieurs médias pour essayer de savoir ce qu'est l'actualité du monde. De même, on consulte plusieurs évangiles pour faire la connaissance de Jésus-Christ. On ne se contente pas de l'évangile selon Matthieu ou de l'évangile selon Jean. On en a quatre, et les quatre sont nécessaires. Eh bien, la pluralité, c'est justement une condition nécessaire pour appréhender le réel avec le plus de précision possible. On croise les expertises. On croise les points de vue, on demande des contre-expertises, on critique, on met en doute, on se demande est-ce que vraiment c'est bien cela? Est-ce que vraiment ça fonctionne comme cela? Bref, on ne prend pas pour argent comptant la première version des faits.
D'ailleurs, si on s'intéresse simplement à la façon de nommer la science qui essaie de parler un peu de la nature, on parle bien des sciences physiques, et non pas de la science physique. On sait bien qu'il n'y a pas de modèle unifié, il n'y a pas de théorie unifiée en sciences physiques. Il y a plusieurs modèles qui cohabitent les uns à côté des autres et qui sont nécessaires pour rendre compte du réel. Il n'y en a pas un qui pourrait tout expliquer. La pluralité est donc nécessaire pour mieux connaître notre monde et donc nos besoins. Sinon, ce n'est plus vraiment un besoin, c'est un caprice. Les caprices peuvent être de vrais besoins. Une fois qu'on a bien défini notre demande, c'est le premier acte de la prière, qu'on l'a défini à plusieurs donc, eh bien nous pouvons passer à la phase réponse. Et là encore, la pluralité est vécue comme une exigence à laquelle il ne faut pas se soustraire. La pluralité est envisagée comme une nécessité pour obtenir la meilleure des réponses possibles. Encore un petit peu de grec dans notre texte. Le verbe qui est sous la traduction « s'accorder », c'est le verbe « symphoneo », qui donne en français « symphonie ». Dans les deux cas, nous entendons bien que les individualités vont coopérer, qu'elles vont s'accorder, qu'elles vont se mettre ensemble, qu'elles vont interagir pour obtenir un résultat. Et je trouve que le terme « symphonie » est très éclairant et on pourrait essayer de le garder dans nos textes, parce qu'il évoque ces instruments différents, même dans un même pupitre, deux violoncelles ne sonnent pas exactement de la même manière, et bien sûr, les musiciens n'interprètent pas de la même manière la partition, et donc des instruments différents jouent des partitions différentes pour produire néanmoins un mouvement musical d'une ampleur et d'une intensité autrement plus grande que ce qu'un instrument aurait fait tout seul. Et bien de la même manière, l'exigence de la pluralité pour nos affaires quotidiennes, c'est le moyen de nous permettre d'aboutir à des solutions autrement meilleures que celles que nous aurions obtenues, seules, isolées dans notre propre réflexion. Cette exigence de la pluralité, c'est une invitation à conjuguer nos aptitudes pour faire mieux, pour réaliser à quel point les décisions prises à plusieurs sont souvent meilleures quand elles sont prises dans un climat symphonique, parce qu'évidemment, si personne ne s'écoute, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs points de vue. Il y a un test qui consiste à choisir dans une liste d'objets les 5 qui nous semblent vraiment indispensables pour former un kit de survie. Alors la NASA a développé un kit de survie sur la Lune, mais on pourrait plus modestement imaginer un kit de survie dans le désert, par exemple. C'est plus accessible pour nous. Le test consiste à faire remplir cette liste par chacun individuellement. Chacun coche les 5 éléments qui lui semblent nécessaires sur une grande liste. Et puis ensuite, on met tout le monde ensemble et on essaie d'obtenir une seule liste. Eh bien, la liste commune, qui est le fruit de la négociation, est en général toujours meilleure que la liste réalisée seule. Qui penserait, par exemple, à prendre un imperméable en plein désert ? Eh bien, celui qui sait que cela permet d'obtenir de l'eau par condensation, ce qui est quand même assez intéressant pour se désaltérer. Bref, la pluralité consiste à valoriser l'individu, ses capacités, en les mettant en relation avec celles des autres. Le choix de la pluralité, c'est considérer que nous construisons notre réflexion en confrontation avec d'autres, et que la réflexion des autres, lorsque nous la mettons en confrontation avec la nôtre, nous permet d'aller au-delà de nos capacités et d'obtenir des réponses plus satisfaisantes que celles que nous aurions eues seules. Et évidemment, il ne s'agit pas de faire appel à d'autres personnes qui pensent comme nous, sinon cela ne présente aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle, souvent, on parle d'interdisciplinarité, croiser des points de vue, des compétences différentes des nôtres. D'ailleurs, pour ceux qui suivent avec attention la série Dr House, vous savez que lorsqu'il a dû constituer son équipe à un moment donné,
Celui qui l'a renvoyé, c'est celui qui était le meilleur. Mais étant le meilleur, il pensait comme lui, donc il ne lui apportait rien finalement. Alors vous me direz évidemment tout cela, un peu de bon sens et un peu de jugeote suffisent pour nous le révéler. Pas la peine d'aller chercher une justification dans la Bible pour savoir que la pluralité est une affaire nécessaire. Certes, à ceci près que le bon sens n'est pas toujours bien partagé et que chaque jour apporte son lot de décisions prises par des gens qui pensent avoir la science infuse, qui pensent pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, qui méprisent l'intelligence des autres et qui dénient à autrui la possibilité d'apporter une contribution prépondérante pour trouver une solution à un problème. Certes, le bon sens rend cela évident, mais l'approche théologique est loin d'être sans intérêt. Elle nous rappelle ici que la volonté de Dieu, que l'espérance de Dieu, nous n'en avons qu'une connaissance partielle, que nous sommes limités dans notre savoir, que notre savoir est fragmentaire. La réflexion théologique nous rappelle que Dieu n'est pas limité à ce que chacun peut en dire, tant et si bien que nous avons besoin des autres pour découvrir de nouveaux aspects de la révélation, pour mieux entendre et pour mieux comprendre ce que Dieu nous propose de vivre. Et c'est bien la raison pour laquelle les baptêmes sont importants. Bien sûr qu'on peut être chrétien sans être baptisé, et bien sûr qu'on peut être chrétien sans église, mais on ne donne pas dans ce cas la possibilité à Dieu d'agir pleinement dans notre vie, parce que nous avons besoin des convictions de l'autre. Nous avons besoin des expériences de l'autre. Nous avons besoin de nous enrichir de ce que l'autre éprouve. Envisager la pluralité sous son aspect théologique, c'est donc considérer que Dieu se révèle aussi à d'autres que moi-même. On peut être un joli Maori, on peut être une délicieuse Romane, baptisée somptueusement à l'oratoire du Louvre, ça ne suffit pas. On a besoin d'être connecté aux autres. Parce que Dieu se révèle à d'autres que moi, Dieu se révèle aussi dans d'autres religions, Dieu se révèle dans d'autres livres que la Bible, dans d'autres disciplines que la théologie et dans d'autres expériences que la prière. Et Dieu se révèle même en dehors de la religion, bien évidemment, parce que Dieu, il est aussi le Dieu des autres. Ce n'est pas un Dieu privé. C'est la raison pour laquelle, ici, dans cet oratoire, nous préférons souvent l'étrangeté aux semblables. C'est toujours agréable d'être avec des semblables. Mais si nous nous privons de l'étrangeté, alors nous nous privons de ce que Dieu injecte dans notre existence. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de vivre dans cet esprit d'ouverture que vous avez évoqué tout à l'heure. Un esprit d'ouverture qui évite de gommer les individualités et qui évite d'estomper les aspérités. Au fond, le modèle que nous essayons de suivre, c'est un modèle anti-Babel. Babel, c'est cet épisode de la Bible, dans la Genèse, qui évoque l'effort de certains pour uniformiser, pour standardiser, pour maintenir une seule langue, avec une liste unique de paroles, et de se faire un nom. Un seul nom pour tout le monde. Plus de Maori, plus de Romane, un seul nom. L'anonymat, en quelque sorte. Eh bien, cela au mépris des singularités et au mépris des spécificités de chacun. La réaction de Dieu, c'est de créer de la différence, justement. C'est de réintroduire de l'étrangeté. Et nous pensons que ces différences, ces étrangetés, rendent notre monde plus vivable, parce que plus riche et plus intéressant. Cela pour dire que Dieu n'est pas au milieu d'un groupe. Dieu n'est pas au milieu d'une identité, d'une foule anonyme. Dieu est au milieu d'individus qui sont ensemble, au milieu d'eux. Le pluriel est bien maintenu dans le texte biblique. Enfin, le troisième aspect de cette pluralité nécessaire s'éprouve dans la réalisation. Une fois que nous avons trouvé ce dont nous avons besoin, une fois que nous avons envisagé une solution, encore faut-il agir en conséquence et mettre en œuvre cette solution. Eh bien, là encore, la pluralité
semble de mise, selon le terme choisi par l'évangéliste Matthieu. Si la traduction laisse entendre que deux ou trois sont là, réunis, un peu à la manière de cette vénérable assemblée que nous formons, tranquillement assis, recueillis, comme de belles fleurs qui ont été cueillies dans un somptueux jardin, puis recueillies pour former le bouquet que vous formez. Le terme grec sous-jacent, c'est le verbe synago, qui donnera en français synagogue, et qui exprime que nous marchons ensemble, que nous allons les uns avec les autres, que nous cheminons ensemble. Outre le fait que ce verbe est un verbe dynamique, là où nous pourrions penser que c'est plutôt statique, que ça désigne un état, eh bien le préfixe « sun » que nous avons déjà entendu dans « synphonéo », dans « symphonie », « synagogue », « symphonie », ça commence de la même manière. Eh bien le préfixe « sun » avec dit bien que nous sommes ici dans un modèle coopératif. Réaliser l'espérance de Dieu nécessite que nous combinions nos énergies, que nous mettions en commun notre allant, notre cœur, notre enthousiasme, notre désir de vivre, pour que la réalisation ne repose pas sur les épaules d'un seul. Partager la tâche à accomplir, ce n'est pas simplement chercher une meilleure rentabilité. Ce n'est pas simplement créer un process d'automatisation. C'est reconnaître les autres comme capables de certains accomplissements. Et puis, disons-le clairement, l'Éternel ne peut agir dans notre monde s'il n'est pas relayé par des hommes et des femmes qui se mettent en mouvement, comme Abraham, comme Jacob, comme Jésus, allant leur chemin pour coopérer au projet de bonheur que Dieu forme pour nous. Et parce que nous ne sommes pas chacun le Christ, sinon ça se saurait, eh bien, il nous faut conjuguer nos talents, conjuguer nos énergies. Et c'est bien le sens de cette communauté que nous formons, aujourd'hui agrandie par les baptêmes qui ont été célébrés. Ainsi, je pense que ce passage biblique, archi-connu et archi-utilisé, n'est pas une sorte de cache-misère pour communauté ecclésiale dépérissante. Bien au contraire, c'est une invitation à multiplier les rencontres, multiplier les dialogues, aller à la rencontre de l'étrangeté, du différent, valoriser la pluralité, le pluralisme, parce que l'Éternel est présent au carrefour des convictions. Amen.